Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de la Web TV Caredas. Je m'appelle Manon et voici Clara. Bonjour. En quoi consiste l'émission ? L'émission consiste à vous faire découvrir le poker, qui est un jeu que nous trouvons formidable. Personnellement, c'est Manon qui m'a appris à jouer. Au départ, j'ai pas bien compris les règles, mais au bout de 3-4 parties, c'est allé tout seul. Nous allons donc vous expliquer les règles, mais avant ceci, les combinaisons. La paire, c'est quand on a deux cartes de numéros identiques. La double paire, c'est quand on a 4 cartes qui font toutes les deux une paire. Le brelan, c'est quand on a 3 cartes de numéros identiques. Le carré, c'est quand on a 4 cartes de même valeur. La suite, c'est quand on a 5 cartes dont les numéros se suivent. La couleur, c'est quand on a 5 cartes du même symbole, mais ils ne sont pas obligés de se suivre. La quinte flush, c'est quand on a 5 cartes de numéros qui se suivent et qui ont la même couleur. La quinte flush royale, c'est quand on a As, Roi, Dame, Valet et 10 de la même couleur. Maintenant que vous connaissez les combinaisons, nous allons vous apprendre à jouer. Après avoir mélangé, je vais distribuer les cartes. Donc je vais faire la rivière ou le flop et nos cartes solo. Donc ça, ce sont mes cartes et ça, ce sont les cartes de Clara. Là, ce sont nos cartes communes et elles sont à nous deux. À partir de ces cartes, nous devons faire des combinaisons que nous vous avons montrées tout à l'heure à partir de nos cartes à nous. Donc avant, nous devons soit miser, soit checker. Checker, cela veut dire de ne pas miser. Clara, tu commences. Je mise 1. Je te suis. Clara. Je mise encore 1. C'est suivi. Si je mise, c'est parce que je pense que je peux gagner vu que j'ai une paire. Je mise beaucoup parce que j'ai une paire de valets et de 3. Je check. Moi aussi, je vais checker. Alors, qu'est-ce que tu as ? Une paire de valets et de 3. Moi, je n'avais qu'une paire de 9 servis, alors c'est Clara qui gagne. Au poker, normalement, on mise des jetons, c'est l'unité de valeur. Mais comme nous sommes que des ados, et ben nous on doit miser des bons. Le check, ça signifie que tu veux continuer la partie mais que tu ne veux pas miser. Dans ce cas-là, l'autre personne peut soit checker à son tour, et donc pendant le tour on ne mise rien, ou alors elle peut renchérir. Mes cartes au début de partie étaient de 9. Et moi, mes cartes étaient un valet et un 3. Le débrief. Moi j'étais plutôt fière de ma paire de 9 servis, parce que ben 9 c'est quand même une carte assez haute. Mais Clara avait plus que moi. Au départ, je n'avais rien, j'avais juste un valet et un 3, mais aux deux dernières cartes du flop, j'ai eu une paire de 3 et une paire de valets. Ce qui lui faisait une double paire. Voilà, l'émission est terminée, j'espère que ça vous aura plu, à plus.